faire une belle démonstration de graffiti. Petit traçage, bien simple. Vraiment juste pour placer mes trucs. Souvent, les grands mouvements picturaux naissent d'un nouvel outil de travail. Et en l'occurrence, c'est la bombe qui a transformé le tag en graphe. Mais c'est vrai que ça a transformé radicalement ma façon de peindre, parce que je peignais, on va dire, à une dimension humaine à la base. C'est-à-dire que je peignais des choses plus petites que moi, avant la bombe. Quand je faisais pochoir, ben, ça restait plus petit, parce que je sais pas le temps qu'il faut pour faire un pochoir. Et puis, ben, très vite, avec la bombe, ben, tout d'un coup, il y a un dépassement du corps humain. Donc là, on peut peindre des choses super grandes. Et c'est là, effectivement, où... il y a un autre sentiment qui naît, il y a un sentiment de puissance, il y a plein de choses qui naissent. Puis la bombe est un instrument et un médium assez particulier, c'est très, très compliqué, très dur de l'utiliser. Et à la fois, quand on commence à savoir l'utiliser, le résultat, il est quand même assez bluffant. Donc dès l'instant où on commence à maîtriser cet instrument, et moi j'avais eu, je dirais que j'avais bien observé Futura, et le fait qu'il peigne avec la bombe à l'envers, ces trucs-là, c'était des choses très techniques, mais que peu de gens utilisent ici, parce que... Et c'est d'aller au bout de son instrument, au bout de l'instrument aérosol. Je suis tombé sur une coupe d'aérosol dans un garage d'un de mes oncles. J'ai commencé à faire de l'aérosol sur des derrière de posters, de vieux posters. J'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais ça. Qu'est-ce que je trouve aussi intéressant de ces médiums-là? C'est portatif. Tu amènes ça avec toi. Je n'amène pas mon kit de peinture acrylique avec moi, là, mon studio sur le dos là, pour faire de la peinture. Quand je faisais mes premiers tags, je savais pas que c'était du tag. Je taguais dans les bus, parce que j'avais 20 minutes de bus jusqu'à la maison, donc avec mes gros marqueurs que je prenais en la plastique, j'écrivais Fonky Family. Mais après, quand j'ai rencontré mon ami, on s'est pris nos premières canettes, et là, c'était plus nos journées à juste jouer dans les parcs. Il y a eu un changement dans ma vie, c'est on prend ça et il faut écrire sur les murs, quoi. Donc ça a commencé, là on écrit Fonky Family, et là juste cette pression avec la canette, et le sentiment... Il y avait... Oui, ça peut rester, si on voit en surface okay, des gamins qui font du vandalisme, qui déconnent. Peut-être ça a commencé par là, c'est l'essence, mais il y a plus que ça, parce que c'est parti de... Ben, il y a eu une connexion qui s'est faite avec mon ami qui m'a montré ça, je l'aurais pas suivi. C'était un gars de nulle part qui me dit « Prends une canette, dessine chez le voisin ». Non, déjà, je vais pas chez le voisin, je l'aime bien, mon voisin. Donc on était sur la rue Saint-Jacques, je me rappelle, et sur des vieux panneaux en acier, moche, tu vois, tout enrouillé. On dit « Bon, on va là-dessus ». Et c'est parti de là, j'ai senti la pression et depuis, ben, j'ai toujours besoin de mon petit pchit pchit, même si il a évolué du petit tag à pas encore ce que fait Zec et compagnie, mais au moins chacun son cheminement et ça évolue à partir d'un petit tag, quoi. Everything is basically involved with letters, but basically you have little extensions like this, we like to call them, that sometimes make the piece more complex, give it some character of some sort. Basically, what I try to do is not have too many straight lines. I like to keep it nice and curvy. It helps to flow the piece all together nicely. And basically with this, I did the blue first, because you can't just start with this outline, right? I did the blue first, and then basically did my 3D, this pink here. Went up here, did the background, and basically once that was all done, I did the red, and then the blue on top, and then the purple. But this one says RASC, sometimes I like to do it backwards, but the R is here. It's an uppercase R, there's the leg, and then a lowercase a, going down like so. And then just a normal S. And then the K just kind of kicks it off at the end of the piece, just right there. And then all these just try and make it more technical, just basically threw in some extensions in there. Even though the most generic thing is the arrow, I still like doing them. Some people don't like doing them. I personally enjoy it. Les étapes de base dans le graffiti, c'est vraiment, comme d'abord, les lettres. C'est ça, à la base, le graffiti, c'est vraiment les lettres. Fait que c'est sûr que je trouve que si tu veux être plus complet dans ton approche graffiti, c'est sûr que c'est bon de toucher à tout, puis de pas juste faire des persos ou de pas juste faire des lettrages 3D ou de pas juste faire du figuratif. En gros, c'est important de toucher un peu à tout, puis de développer le plus possible de technique. De sorte, même si, comme moi, c'est pas mon point fort, les lettres, mais n'empêche que je tiens à quand même développer ça bien pour être un peu plus complet dans mon approche. Puis je trouve que c'est aussi une bonne façon d'apprendre à dessiner. Des fois, il y a du monde qui ne savent pas faire des dessins, des bonhommes allumettes, mais ils sont capables de faire des super belles lettres, puis de travailler vraiment des beaux pieces. Puis c'est là que tu te rends compte que, oh, il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas faits pour le dessin, mais non. À la base, tout le monde sait écrire, fait que déjà, tu sais, t'as des chances de pouvoir faire quelque chose avec ça. Là j'utilise mes canettes que je veux commencer à travailler avec. Là. C'est juste mon sketch est fait, je m'enligne, mes lignes sont là, je vais faire mes remplissages. Je vais tout de suite passer au remplissage des 3D. Vous allez voir, ça va vraiment vite comme construction. Après ça, on se met à jouer avec des lumières. Un beau orangé, là, hein, avec l'Halloween qui approche. Première étape, remplissage, les lignes sont faites. Un graffiti, c'est un art, c'est du talent, il faut savoir manier l'aérosol. Faut être aussi graphiste, donc faut connaître, avoir des bases et tout, parce que le graphe, c'est quand même des bases de typographie, quoi. Donc un graffeur est un typographe quand même. On va dire un typographe nouvelle génération, parce que les peintres en lettres, quand vous voyez l'histoire de la peinture en lettres, et ben on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, ça a évolué aussi par le biais du graphe. Parce que tous les peintres en lettres ont disparu à cause des nouvelles technologies, quoi. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, les graffeurs d'aujourd'hui ont un peu remplacé cet ancien art qui était les peintres en lettres, quoi. Maintenant, il y a très peu, du moins, il y a des écoles qui apprennent toujours encore à faire la typographie, la peinture en lettres. Mais nous, on est un peu cette nouvelle génération, on a l'outil qui est l'aérosol, on va faire nos lettres, on va les peindre et tout, et on va travailler sur la forme de la lettre, sur la structure, sur la calligraphie, sur l'esthétique et autres. Donc c'est vrai que d'un côté, on est un peu typographe, quoi. Pour vulgariser le graffiti, la façon dont nous on l'exprimerait à des gens qui viennent pas de ce milieu-là ou quoi, c'est que comme un peintre qui est focus sur le paysage, qui va peindre des montagnes, la plage, etc., ben nous on est focus sur la lettre. Donc c'est pour ça qu'à titre personnel, je change de pseudo des fois, parce que retravailler tout le temps les mêmes lettres, des fois on peut tourner en rond, et juste changer de lettre, et ben, ça nous ouvre d'autres opportunités, et puis... d'autres, comment dire... Enfin, c'est plus inspirant. C'est comme si tu peignais tout le temps la montagne, en gros, puis d'un seul coup, tu dis, bah tiens, je vais peindre la plage. Et là, tu es super motivé, tu peins la plage, la campagne, la ville, ce que tu veux. Bon, bah, nous, on fait la même chose, mais dans les lettres. Moi, quand je fais un dessin sur papier, je suis un peu frustrée. Puis quand je fais un mur, j'ai mon bras, j'ai l'impression qu'il part tout seul et qu'il fait prêt. Enfin, il fait pas ce qu'il veut, là, il y a le sketch, mais il y a cette liberté qui prend la suite dans le bras complet, et c'est fou, quoi. Quand je fais un personnage, parce que ça me demande toute ma concentration. C'est moi qui est comme ça, il y a du monde qui ont plus de facilité peut-être à faire des personnages, puis qu'ils le font plus rapidement aussi peut-être. Mais pour moi, c'est peut-être aussi ça, comme je disais, qui m'attire dans les lettres. C'est surtout que ça me permet de me laisser aller, de suivre aucune structure, parce que je fais aucune esquisse, fait que j'improvise direct sur le mur, puis ça me détend vraiment. Je peux vraiment m'asseoir aussi, parler avec le monde, puis m'amuser, puis j'y vais comme ça vient. Je sais pas que ça aura l'air à la fin, puis c'est ça que je trouve intéressant aussi dans le lettrage. C'est que j'ai aucune idée à quoi ça ressemblait à la fin. Je me fais une idée, mais je veux dire, c'est souvent tout le temps une surprise pour moi-même. C'est l'élément aussi qui est différent, complètement opposé de faire des personnages puis du figuratif, puis qui est, je trouve, super intéressant. Tu commences à faire du tag, et puis tu le mets en volume avec des lettres. et puis ainsi de suite. Après tu travailles des fonds, après tu t'essayes à faire des personnages, après tu arrêtes de faire des personnages parce que t'aimes plus beaucoup, tu reviens dans de l'abstraction et puis t'évolues quoi. Et puis ça t'évolue en fonction de tes goûts, comme tes goûts peuvent évoluer dans la peinture quand tu regardes des artistes quoi. When I look at my graffiti these days, I've kind of come to the realization that it's pretty much grounded abstraction with some design elements involved. So I've tried to see what I can achieve by removing the letters and treating anything as a subject, whether it's a circle or a drip. I treat it the same way as I would a graffiti piece. I layer it. Starting with my fill, I could outline it with a contrasting color if I wanted. I can set it off with the background. I can highlight it. I can basically do whatever I do with a graffiti piece, with abstract art. Qui ne sait pas taguer ne saura pas graffer. À moins de faire de la peinture abstraite. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est de la peinture, quoi. C'est plus du graffiti, c'est de la peinture. Tu vas acheter tes bombes, c'est légalisé, tu te fais payer. C'est juste, tu changes l'outil, mais c'est les peintres d'aujourd'hui pour moi. C'est pas ce qu'on appelle des writers comme Cop2 par exemple. Il faut faire la différence entre ces gens-là et puis des gens qui aujourd'hui grandissent et qui vont acheter les bombes avec leur maman et qui découvrent le graffiti avec des ateliers. Ça n'a plus rien à voir. Le graffiti quand même a une politique, une règle d'or, c'est de ne pas copier quoi. Donc tu peux pas prendre un truc et puis le recopier comme ça et le singer. Enfin certains le font mais c'est grillé quoi, tu vois tout de suite que c'est singé. Ce qui n'empêche pas de s'inspirer inconsciemment.